La profession de concierge dans une école, elle est essentielle. Souvent, on parle d'équipe école, puis on a tendance à voir juste la direction, la secrétaire ou les enseignants. Mais quand on se rapproche un peu de l'équipe école, on se rend compte que les concierges sont présents puis sont vraiment nécessaires. Sans eux, on n'y arriverait pas. Ce sont eux qui font en sorte qu'on peut offrir à nos élèves des milieux qui sont stimulants, qui sont sains, qui sont sécuritaires, qui sont propres, qui sont beaux. Puis c'est bien dit, hein? Un élève qui est heureux dans sa classe, bien, il va apprendre beaucoup plus facilement. Pour moi, être concierge, c'est un paquet de défis. C'est la sécurité, la santé des enfants, leur bien-être, avoir une école propre, un endroit sain avec un esprit sain. Puis c'est, ça leur apporte de la fierté. Ce que j'aime le plus dans mon ouvrage, c'est l'interaction avec les gens qui habitent l'école, les professeurs, les élèves, le personnel du secrétariat. Tu sais, quand on y pense, là, les élèves passent un tiers de leur vie à l'école. Bien, un tiers de sa vie dans un endroit qui n'est pas propre, bien, c'est pas tellement agréable. C'est mon école, fait que j'ai à cœur qu'elle soit propre et que le monde qui vient de travailler à mon école se sente bien à mon école. Le concierge va travailler avec l'ensemble des autres corps d'emploi, en équipe avec les enseignants, avec les secrétaires, avec la direction, avec les éducateurs. Donc, ça prend de l'énergie, c'est pas un métier qui est statique et bien entendu, il faut aimer les jeunes. Une chose que je me fais un devoir de faire, c'est d'être toujours accueillant et dispo à répondre, puis avec le sourire. Je vais en profiter pour dire un gros merci à notre équipe de concierges qui sont là jour après jour, tempête, pas tempête. Ils font vraiment la différence dans notre école pour notre bien-être, ceux des élèves puis ceux des parents qui sont de passage. Merci, moi, Condé. Merci, Pierre. On vous aime beaucoup.